Je me débarque là, je me présente là. Tout à Japan, c'est pour attaquer tous les combos. Chou, 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 chou. Bim bam, il est big manager. Oyo Souka. Elle est bien moussée pour Yako. Nous sommes allés vite en besogne, mais qu'à cela de vous ne tienne. C'était donc le clou de la soirée, Uriketor, avec Rouga Rouga Missile, qui est venu jouer sa partition à exactement sa manière, il faut le dire. Effectivement, Rouga, rappelons déjà qu'il y a quelques semaines seulement, il a fait ce même stade, oui, un plat historique. Très bien. Mais c'est pas par hasard qu'il a été programmé en dernier. Donc, ce qu'il a fait hier, ben, comme d'habitude, hein, oui, moi je sais que Rouga... C'est un show, festival, n'importe quelle heure on vous programme, vous venez, s'il n'y a pas... Ouais. Bon, voilà, lui il vient, il fait sa partition, il a joué. En tout cas, il a joué. Et je pense que parmi les meilleurs spectacles d'hier que nous avons vu, on peut dire Rouga assuré, parce que... Hormis les 500 danseurs. Hein. Oui, hormis les 500, hormis la chorégraphie, effectivement. De oui. Et c'était magnifique, c'était propre et c'était magnifique. En tout cas, je vous laisse savourer cet extrait et surtout la danse, les tengu. Ah oui, qui a fait... C'est la nouvelle vrai danse. C'est la nouvelle danse qui sera justement dans son prochain Nzungu single, Nzungu, qui va sortir dans quelques jours. Exactement. On regarde, mesdames et messieurs, c'était magnifique.
La danse, les Tengu, mesdames et messieurs, Roga Roga Missile, hier, c'était sur le stade, sinon le podium du stade Alphonse Matsamba Diba pour l'ouverture de la 11e édition du Festival Panafricain de Musique. Le Ricketteur, je pense que voilà un peu l'affiche qui était programmée pour hier au stade. Je voulais même dire, Hugues Vogel, c'est juste super professionnel de ta part. Merci. De faire ce genre de truc, cette initiative. C'est-à-dire que nous sommes en train de faire la lecture de la première journée de la cérémonie d'ouverture du FESPAM. Mmh. Je pense que c'est quelque chose qui peut être rediffusé plusieurs fois, parce que on a fait quand même la synthèse de tout ce qui s'est passé là-bas. Okay. Le spectacle était au rendez-vous. Énergie totale. Merci. Anissel, Rodrigo Brodard, Amélie Mamana Junior, Tambela Nangai Namusi Kangawaye, Olono Nange Sangi Destination Ponayo, Celia Doia Mama, Nanya Kotelangawa, Naimala Nasangi Sepu, Mokanini Nakende Naki Mabolingo, Yaki Moye Misana Komando, Sergio Boazon Selanga Celia. Voilà, merci à trop Saint-Cheke, tu connais sur la souka, n'habite l'ONU à Tunioto au Kobaxa, na bandeko ba ola na biso partout et ça la ba membre Noël Paris. Noël Paris là où on est c'est bien à part Marie-Paul. Noël Paris. Donc, mais tu que le mot il a fait beaucoup dans Wengel Paris. Ah ouais. Dans un macassi, dans le management. Dans le management, en tout cas, dans un macassi. Donc, dans le souhait arabe, bonne chance, Mingi. Et pas inaïe, Azali, en tout cas, à continuer bien, quoi. Beaucoup là, tu que le mot merci. En tout cas, ma ramoui, bisson, là, on a eu tous ces émissions à expliquer. Bisson, pour les amis, c'était pour vieille. Bon. DJ Memba, le number one.
Kulu tu es son bébel, moi na sapse. Est-ce que vous ok? Le Vito Jean-Paul Mayembo, le number one. Roga roga, le gros salon. Alobi est passé, on t'y a ouvert. Je suis en train de me faire un petit peu de temps.
Barcelone à Toronto. Bonjour. Et merci beaucoup de faire cette interview avec nous pour le Tarpamien. Bah, merci à vous, je suis très contente. Alors tu es ce soir au Sport Beach à Marseille, tu vas nous faire un petit showcase. Exactement. Et tu vas nous jouer quelques morceaux de ton album donc, qui s'appelle Loane, qui est sorti en novembre dernier. Mm-hmm. Cet album déjà, comment il est né ? Il est né de beaucoup de choses, de beaucoup de collaborations. D'une envie profonde de faire de la musique. Je me suis vachement plus investie dans le deuxième album que dans le premier. J'ai vraiment cherché à rencontrer des gens avec qui j'avais envie de travailler, comme Julien Doré, Benjamin Biolay, Vianney, Team Dup, et d'autres avec qui j'avais déjà travaillé, comme Dan Black, Patchy. Beaucoup et de collaborations. Beaucoup de collaborations. Et quelques titres de moi aussi, mais vachement moins, pour être honnête. Mais c'est vrai qu'il y avait une vraie envie de partager, de faire de la musique, de travailler. Et c'est comme ça qu'est né l'album. En tout cas. On rappelle, ton premier album, il s'appelait Chambre 12. C'est ça. Et il était sorti en 2015. C'est ça. Avec le tube Jour 1. Il était vraiment le gros tube de cet album. Le morceau qui est sorti là tout récemment, il s'appelle Immobile. C'est ça. Et donc il y a le clip que je vous invite à aller voir sur YouTube. Au début de ce clip, il y a une petite intro où tu parles avec un garçon et en gros vous faites un petit jeu et puis en fait on se rend compte que tu vas partir en tournée. Exactement. Et qu'il est un peu déçu quoi, parce que tu vas lui manquer. C'est un peu autobiographique. Ça fait partie de ma vie tous les jours. C'est pas complètement autobiographique. En vrai, ça raconte l'histoire de ma vie, mais il faut surtout pas voir ça comme quelque chose de décevant, parce que moi j'adore être en tournée, j'adore partir, c'est pas du tout ça, c'était juste pour introduire un peu la chanson quoi. C'est aussi une façon de parler de quand t'es en tournée, finalement t'es loin de tous tes de proches. De tout le monde quoi, c'est ça, c'est exactement ça. En fait j'ai une chance incroyable, c'est que j'ai des agents qui s'occupent extrêmement bien de moi et de ma carrière et qui font en sorte que j'ai assez de jours off pour pouvoir bouger, pour pouvoir voir ma famille, mes amis, tout ça. Oui, parce qu'en plus, comme tu es chanteuse et comédienne, c'est-à-dire que tu es soit en tournage, soit en tournée. C'est ça. En général, les tournages, c'est cool parce que souvent, c'est sur Paris, ouais. Donc ça va. Mais en vrai, j'ai de la chance parce qu'ils se débrouillent super bien et mon planning, il est assez, assez léger finalement. Puisqu'on parle de tournée, donc tu seras en tournée à partir du 11 mai prochain. Et donc, j'en profite pour le dire, tu seras le 15 juin au Dôme de Marseille. Voilà. Le 15 juin au Dôme. Donc rendez-vous. Venez me voir. Le 15 juin. C'est gentil, c'est sympa, on est cool sur scène. Est-ce que tu chantes le morceau Je vole en concert ? Non, je chante pas le morceau Je vole. J'imagine qu'on doit beaucoup te le demander. Et pas tant que ça en vrai. Non ? Pour être honnête, pas tant que ça. Et il y a un moment où il faut faire des choix, il y a un moment où il faut construire un spectacle et pour le coup, on a privilégié plutôt les nouvelles chansons du deuxième album. J'ai vu que tu avais un projet cinéma qui allait sortir cette année, Les Affamés. C'est ça, exactement. Tu peux nous en dire un petit mot ? Alors je peux pas en dire grand chose parce que pour être honnête, on n'a pas encore commencé la promo et pour l'instant, j'ai pas le droit de dévoiler grand chose de ce film. Mais d'abord, il sort le 27 juin. Voilà, c'est la date de sortie du film. Et c'est un film qui a été réalisé par une réalisatrice qui est plutôt très jeune, qui s'appelle Léa Fredval. Ouais. Et c'est son premier film. Et en gros, ça parle de la jeunesse, de la précarité de la jeunesse en France, plus précisément à Paris. Rendez-vous le 27 juin pour te voir dans Les Affamés. Donc. Exactement. Est-ce que tu connais un petit peu Marseille ? Très peu. Très peu. Pour être honnête, vraiment. Ouais. Très très peu. C'est-à-dire qu'en vrai, je connais le Dôme, le Silo et ici maintenant. Okay. Nous, on s'appelle le Tarpamien. Tu sais ce que ça veut dire, Tarpamien ? Ça veut dire très bien, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as une expression un peu perso pour dire Tarpamien ? Ton expression à toi ? Moi, je dis c'est grave bien. C'est grave bien ? Ouais. C'est un peu parisien. C'est... Oh, je sais pas si c'est parisien, parce qu'en vrai, dans le Nord, on l'utilise beaucoup. Ouais. Toi, tu viens du Nord, hein, c'est on ça. L'a pas dit, t'es né à Hénin-Beaumont. C'est ça. Et j'ai pas mal vécu à Lille et toute ma famille est là-bas. Donc, Tu serais venu hier ou avant-hier, tu aurais eu le même temps dans le Nord. Mais là, ça va, on a du soleil. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à ces quelques questions. Merci. Puis, on te souhaite très bon courage pour le showcase de ce merci soir. Merci beaucoup et j'espère que ça va vous plaire. Dans mon cœur, le bonheur est vide, le chagrin est plein. La beauté de la montagne sacrée, Chili, Ilombé, la fille du soleil. Macaro d'Anverse, café Sifos, Roger Niwakianga. Adida Kiese, Toto Matumona, Père Congo Villa, 6 étoiles. Toto Lucan, Pachu Batete, Micheline Malissa, Hello. Gracias.
des verviers et Lungu Ricardo gâchette facile. Je sais bien que tu n'as pas un frigo à la place de ton cœur, bébé. Limbisa Ngaye, Tome Seneke, Naina Yona, Bolimwango, Toyo Kanaka, mon côté, la vie soit comme Ebisa. Laisse parler ton cœur, chérie. Sonny Kasso. HM Boutique, Ville les Belles. Pascal Noble, Chico de Piola, Chole Mondone, Papa Manonga, William Mekanko, Chocho Chimbomba. Mamãe.
Bob, Okelo na Toronto.